Alors que l'astre du jour atteint son navire, un sentiment obscur m'étreint, celui de l'insupportable condition vampirique qui est la mienne et me pousse à errer dans les venelles emplies de smog à la recherche d'une proie. Où est-ce celle d'une ombre? Ô cercle lunaire, si seulement le doux Népenthès daignait apaiser mon âme qui escorte à tant de pécheurs. Qu'est-ce que tu fais là, Boba? Bizarre. Salut, mes soeurs! Personne non binaire! Voilà, tu vois, je me suis mis bien pour te parler du sujet d'aujourd'hui, qui est le roleplay textuel. Mais alors, Boba, le roleplay textuel? Ça mange quoi en hiver? Eh bien, ben justement, on est là pour en parler. Le roleplay textuel, tu vas aussi entendre les termes de jeu de rôle écrit ou jeu de rôle asynchrone, tout simplement RP comme abréviation de roleplay. Et c'est un peu, si tu veux, la face cachée de la lune pour les rôlistes turtables, hein. Parce qu'en fait, les rôlistes textuels, qui d'ailleurs, entrez-le, s'appellent rôlistes, hein. Ils sont peut-être aussi nombreux que les tablistes, mais on les voit pas. On sait pas qui c'est. Ils sont cachés. En fait, c'est un peu deux communautés, si tu veux, qui n'échangent pas beaucoup. Et bah, on est là pour en parler. Et justement, on est là pour en parler parce que on vient d'ouvrir un forum RP Milvo qui a été créé par Miloup et Psoum. Et donc, bah voilà, j'avais de toute façon cette vidéo dans les cartons. Donc, je pense que c'était le bon moment pour la sortir, puisque donc là, ça fait 2-3 semaines que le forum est ouvert. Tu peux venir y jouer des aventures textuelles dans Milvo avec tout un contexte. Enfin, tout est bien expliqué, et tu verras. C'est ouvert à tous. Moi, je joue un personnage qui s'appelle Anthrax, qui est eh bien une aventurier non binaire badass qui botte des culs, qui est sexy mais qui en même temps qui a un côté protecteur, qui cherche toujours en fait une personne à aimer et à protéger, donc voilà, et qui se balade avec une épée fusil, voilà, histoire de faire bien un mauvais cul. Et ben ce personnage, s'il te paraît cool, sache que toi aussi tu peux créer un personnage hyper cool puisque tu peux faire ce que tu veux, il n'y a pas de limitation, donc ça c'est chouette. Donc viens des nous voir quoi. Hein. Alors je reprends sur le sujet principal, donc le RP textuel. Bon, ça mange quoi en hiver? Qu'est-ce que c'est? Alors on va un peu distinguer. Bon bah concrètement c'est tu fais du jeu de rôle, mais c'est uniquement par écrit et plus précisément la plupart du temps, même s'il y a des formes par SMS. Hein, moi, j'ai fait un jeu de rôle d'ailleurs, Milvo par SMS, qui s'appelle Mycorhize. Et oui, je replace encore ma cam, mais ça n'est pas fini. Bon, ça existe un petit peu par SMS. Fut une époque, je pense que ça existe moins, mais ça doit sans doute encore exister, du jeu de rôle épistolaire, c'est-à-dire par courrier, d'où un petit peu le setup que je t'ai mis en place. Alors, parmi les. Comment? Parmi les manuels de jeux de rôle qui encouragent le jeu épistolaire, on va retrouver le jeu de Sur la route de Chrysopée de Morgane Reynier. Très beau jeu, voilà, que tu peux jouer par internet, mais qui est quand même, je pense, bien destiné au jeu de rôle épistolaire, parce qu'en plus, tu es censé mettre des petits cadeaux dans tes courriers et tout. Et puis, il me semble que Quill est aussi pas mal adapté au jeu de rôle épistolaire. Et alors là, je parle sous le contrôle de toi, qui en sais peut-être plus que moi, mais je crois que De Profundis, qui est un jeu que Toolien, un vieux jeu, est proposé également de faire du jeu épistolaire. Alors, concrètement, il y a aussi, donc sur les formats Internet, tu vas avoir le RP par forum.
C'est assez proche du jeu de rôle sur table. On va trouver des forums, par exemple, comme Planète Rollist, où en fait, si tu regardes bien, ils utilisent essentiellement eh bien, des jeux de rôle, voilà, des jeux de rôle sur table classiques. Ils vont faire du Warhammer, du Cthulhu, du Donjons et Dragons. Ouais, ils font du Donjons et Dragons par forum. Je te raconte pas, enfin, grosso modo, un combat, ça prend 3 mois. Ils jettent les dés et tout. Ouais, non, mais il y a des furieux. Et puis, tu vas aussi avoir trouvé le RP par réseau, c'est plus pour les jeunes, puisque donc il y a des gens qui vont par exemple se créer des faux comptes Facebook pour leurs personnages et qui vont comme ça eh ben, faire du RP par Messenger. Là, on est dans un univers un peu plus proche de la fanfiction, souvent. On est très dégagé des univers de jeux de rôle classiques. Pour tout dire, il y a pas mal de ces rôlistes réseau qui connaissent pas en fait tout simplement Cthulhu, Warhammer, Donjons. Ouais, ça t'étonne, il y a des gens qui connaissent pas Warhammer. C'est plutôt dans de la fanfiction et souvent le trip, c'est que tu vas te choisir un acteur ou une actrice un peu connue, tu vois, qui va être ton personnage. Enfin, tu joues une personne fictive mais qui a le physique de l'acteur, de l'actrice. Et généralement, tu t'appuies beaucoup sur la filmo de la personne pour build ton personnage. Il y a pas mal de romances dans ces types de jeux. Alors, je crois qu'il y a un terme technique pour désigner ça s'appelle le RP City. Donc voilà, censé se passer dans une grande ville type New York. Et puis donc, ben, il y a des personnages ben, trop chauds, hein, clairement. Je veux dire, si je joue Bradley Cooper ou Jennifer Lawrence ou... Enfin, Ah mince, il y avait une actrice non binaire que j'adore, mais j'ai oublié son nom. Tilda Swinton, voilà, eh bien, voilà, c'est quand même un peu, c'est un peu du RP pour ce pécho, quoi, parce qu'on joue des personnages trop, trop chaud patate. Et d'ailleurs, il y a aussi une frange du RP textuel qu'on appelle le RPQ, hein, ça veut dire exactement ce que ça veut dire, hein, puisque là, on n'est même plus à se faire des bisous, hein, c'est plus de la comédie romantique du tout. Là, l'idée, c'est de rentrer dans des choses explicites, si tu me permets l'expression. Donc voilà, ça c'était un peu pour les définitions. Faut savoir qu'entre chaque poste, bah, c'est très variable le temps qui peut passer. Généralement sur les RP réseau, ça peut aller vite parce qu'on se chope sur Messenger, puis on a une discussion, et là, bah, ça discute beaucoup. Sur les forums, c'est un peu plus, voilà, ça prend plus son temps. Tu peux facilement avoir une personne qui met une semaine ou deux entre chaque message, quoi. C'est un peu plus pépère, quoi. C'est quoi l'intérêt en fait de faire du RP textuel? Il y en a plusieurs. Hein, c'est pas déjà ça va t'intéresser si tu aimes le côté littéraire. Forcément, tu vas beaucoup plus l'exprimer que dans du jeu de rôle sur table ou en ligne. Le côté asynchrone, c'est-à-dire le fait que tu n'es pas obligé de trouver des gens avec qui te réunir, passer 3-4 heures en même temps, tu vois. Bah voilà, chacun fait sur son temps libre. C'est plus facile pour s'organiser. C'est aussi plus facile en termes d'engagement. Voilà, puisqu'on est sur quelque chose de ponctuel, tu vas écrire un message de temps en temps. Puis comme je t'ai dit, il y a certaines formes de RP textuel où vraiment on prend vraiment son temps. Donc c'est voilà, c'est léger, tu t'engages pas trop. Alors attention, hein, tu peux aussi cramer ton temps sur du RP textuel. J'ai fait une campagne textuelle, il y avait une journée, j'ouvre le matin et j'ai 150 notifications, j'ai reçu 150 messages, quoi. Laisse-moi te dire que j'ai passé la journée, voilà, j'ai séché tous mes cours, j'ai passé la journée à rattraper, voilà, à répondre, parce que j'étais le MJ de la campagne, quoi, à répondre un peu à tous les messages. Puis évidemment, pendant que tu réponds, bah, il y en a qui te répondent, enfin. Voilà, je crois que j'ai dû cramer bien facilement une semaine où j'ai pas fait grand-chose de plus que du RP textuel. Mais c'était super cool, trop bon souvenir. De toute façon, les cours étaient nuls. Puisqu'on parle de vie étudiante, alors si dernière chose, c'est aussi quand même pas mal le RP textuel bah, quand tu as des soucis d'anxiété sociale. Parce que là, du coup, bon, voilà, le rapport par écrit est moins. Et moins difficile quand tu fais de l'anxiété sociale. Je te parle rapidement du sponsor de notre vidéo, après j'enchaîne. Le sponsor de notre vidéo, eh bien oui, on les remercie quand même, hein, parce que le Patreon se remplit petit à petit, mais en attendant, ben, j'ai quand même des sponsors, tu vois, pour. Et ça mange beaucoup de carottes, c'est la fin. Notre sponsor aujourd'hui, c'est Rollist Pizza. Rollist Pizza, c'est vraiment un service premium.
Bon, voilà, c'est un service premium pour les rôlistes, ben, qui n'ont pas de chance en fait. Donc, du coup, ben, tu les appelles et ils te livrent en fait une pizza eh bien, qui contient à la place des olives des détruqués. Ouais, c'est super. Alors, évidemment, la préférée de tous, eh bien, c'est comment la Power Gamer, évidemment, qui permet de faire que des succès critiques. Mais on a aussi la Fumble, et oui, si tu joues en Play Toulouse, c'est intéressant. Voilà, il y a une grande variété de choix, elles sont toutes véganes, hein, sinon évidemment j'aurais refusé la sponsor. Hein. Mais t'inquiète pas, il y a aussi la pizza à l'ananas. Bon, allez, sans plus tarder, je repasse donc sur notre. Voilà, tu veux te lancer dans le RP textuel, mais comment faire? Je vais essayer de te proposer quelques conseils de base. Le premier, en fait, c'est soit indulgent, indulgente sur l'orthographe des autres. Hein. Mais éventuellement, par contre, tes propres messages, quand même, passe-les au correcteur orthographique. Voilà, c'est, on va dire, une histoire de respect mutuel. Il y a beaucoup de dyslexiques qui adorent écrire. Hein. L'écriture, c'est pas que la belle orthographe. Hein, bien sûr. Il y a plein d'autres plaisirs, hormis celui de faire d'avoir une belle orthographe, quoi. Donc, voilà, c'est pour ça que je voulais en parler. Moi, ce que je te conseille, c'est d'utiliser aussi un canal méta pour faire un peu de contrat social. Ça, j'ai l'impression que c'est le truc qui peut souvent manquer. Donc, c'est bien d'avoir un endroit pour se calibrer, quoi. Bah, par exemple, moi, j'ai un figure-toi que oui, j'ai écrit un jeu de rôle Milvo pour faire du jeu de rôle textuel. Il s'appelle Les Forêts Mentales. Et donc, notamment dans Les Forêts Mentales, il propose bah, comment, justement Les Forêts Mentales, c'est le nom de l'espace forum qui te sert à te calibrer. Et je vais te donner d'autres conseils qui sont pas mal repris dans Les Forêts Mentales aussi. Je pense qu'il faut que tu sois clair sur tes engagements, c'est-à-dire je suis prêt à jouer sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, enfin, et puis sur ta fréquence, je vais mettre 2 messages par jour, je vais en mettre qu'un par semaine. Ça, voilà, ça évite, je pense, certaines frustrations, bien que après c'est pas forcément toujours facile de tenir les délais des fois on va déborder dans un sens comme dans l'autre. Je pense aussi, pareil, parmi les choses qui peuvent manquer actuellement dans le contextuel, il faut que tu trouves un système de sécurité émotionnelle. Par exemple, si tu écris des RP un peu sensibles, eh ben, tu mets les trigger warnings au début. Peut-être qu'au début de la partie, tu peux poser les lignes et les voiles, à condition qu'elles puissent re être renégociées à chaque poste. Hein, d'où l'intérêt d'ailleurs du forum méta quoi et il faut inclure bah, je pense qu'une technique de sécurité émotionnelle aussi qui peut bien fonctionner en textuel c'est la technique de Luxton c'est-à-dire la possibilité à la personne qui est malaisée et eh bien de réécrire l'histoire quoi donc ça je pense que ça fonctionne mieux que la carte X en textuel et plus globalement je dirais qu'il y a quatre péché voilà, du RP textuel que tu vas essayer d'éviter. Le premier problème, en fait, c'est que c'est 4 péchés mortels. Mortels dans le sens où, en fait, généralement, ça tue la partie et on arrête de jouer. Le premier, c'est quand on s'arrête parce qu'on ne comprend pas les pistes que l'autre donne. Des fois, c'est pas forcément clair où l'autre veut en, enfin, où les autres joueuses veulent aller avec leur message. Moi, je te conseille soit de demander une mise au point en méta, soit d'avancer de ton côté. Tu dis, bon, je vais faire cette interprétation de leur message. C'est peut-être complètement à côté de la plaque, mais il faut avancer. Donc, je vais avancer en essayant d'aller vers elles, quoi, d'aller vers eux. L'autre péché capital, c'est quand l'action n'avance pas, parce qu'on ne tombe pas d'accord, en fait, sur la piste à explorer, quoi. Donc, là, à nouveau. C'est un peu typiquement le RP taverne où il y en a un qui dit oui, il faudrait qu'on aille dans les montagnes de feu, puis l'autre dit ah oui, mais j'aimerais plutôt explorer les marais puants. Oui, c'est trop glamour mes endroits. Eh bien, il faut qu'à ce moment-là, il faut être proactif. Tu prends une décision unilatérale, tu fais une ellipse. Bon, voilà, maintenant, nous sommes au pied des montagnes de feu, prêts à commencer l'escalade. Ça peut paraître cavalier, mais vraiment, on a de tels problèmes d'inertie dans le RP textuel que je pense que c'est nécessaire. L'autre souci, c'est quand on n'ose pas attaquer l'autre. Il y a beaucoup de. Pareil, ben, du coup, on a du mal à sortir du RP taverne parce que on n'ose pas agresser l'autre.
Ben, moi, je pense qu'il ne faut pas hésiter à blesser l'autre, dire voilà, je t'ai, même aller loin, dire je t'ai coupé un bras, mais à condition de te donner une contrepartie, genre ah, les blessures que je t'ai infligées m'ont aggravé ma santé mentale, ou j'ai beaucoup de remords, tu vois, enfin quelque chose comme ça, ou moi-même j'ai été blessé dans le combat. Hein, un peu, si tu fais du donnant-donnant, je pense que ça passera, quoi. Et cette possibilité d'agresser l'autre va permettre à l'action d'avancer à nouveau, quoi. On ne sera pas sur des statu quo, quoi. Et l'autre souci aussi, c'est qu'on n'entreprend aucune action risquée, même contre l'environnement, parce qu'on n'ose pas dire qu'on réussit, tu vois. Ah oui, genre, ah bah nous sommes devant le Seigneur Dragon, et en fait personne va oser l'attaquer parce que c'est difficile de dire j'attaque le Seigneur Dragon et puis je le tue, quoi. Donc on sait pas. Alors, soit à nouveau, sois proactif, prends des décisions, voilà, genre une fois tu gagnes, une fois tu perds, enfin, fais quelque chose, quoi, plutôt que rester pendant 5000 messages au pied du Seigneur Dragon. Ou sinon, bah, utilise un système de résolution, hein, tout bêtement. Alors tu peux utiliser un système de résolution classique. Moi, je te conseillerais peut-être plutôt des systèmes un peu narratifs, comme par exemple une nervure où tu fais un tirage, tu poses une question, tu fais un tirage et d'oracle, ça te répond. Ou tu peux utiliser tout simplement le fameux dé Omen. C'est-à-dire tu prends un dé 6, 1 c'est non et, 6 c'est oui et, donc le pire résultat, meilleur résultat. Puis tu as un petit peu toutes les intervalles entre, hein, quoi. Voilà. Eh bien, c'est tout ce que j'avais à dire. Je te laisse. Écoute, écris plein de messages baroques. Et puis, on se revoit pour une prochaine vidéo. En attendant, fais brûler le feu et la glace dans les commentaires. N'oublie pas le Patreon aussi, pour qu'il y ait plus de vidéos et éventuellement des petits feuilletons biomasse. Écris l'histoire dans ta mémoire, mais n'écris jamais la fin, mais n'écris jamais la fin.